Tu vois ce que tu aurais aujourd'hui, on est pour une nouvelle vidéo, donc on est pour les qualifications du Grand Prix des États-Unis, donc vous voyez, le circuit américain. On est à Austin au Texas, je prends une petite amélioration. Sur l'aileron arrière. C'est pourquoi je peux gavave. À terme avant oh, faut que je puisse avoir dernier fort bon on tape on prend une amélioration hein. Amélioration châssis pour l'usure des pneus pour le Brésil. Donc on va partir mes amis pour les qualifications au Brésil, aux États-Unis. Au Brésil, c'est la prochaine course. C'est l'heure de la séance de qualification ici aux États-Unis. Bienvenue à Austin sur le circuit des Amériques. Nous voilà typiquement sur un circuit qui s'annonce redoutable pour les pneus arrière avec toutes ces sorties de virages lents. Voilà un circuit où les caractéristiques des monoplaces comptent autant que le style des pilotes. Les nombreuses sorties de virages lentes vont donner du fil à retordre aux pneus arrière et les pilotes devront gérer leur accélération pour éviter patinage et surchauffe, ce qui les abîme très rapidement. Donc Pirelli envoie trois types de gomme pour la saison. On a la gomme du milieu de Pirelli. Et on va c'est comme ça. Premier secteur c'est DS. Vous voyez à Austin, ça ressemble un peu à Conneil mais en plus long. Avec plus de caractéristiques, donc les S de Silverstone ou de Suzuka. Puis secteur 3 il ressemble vraiment au dernier secteur, au Stadium en Allemagne. On est pratiquement sur un coucher de soleil là-bas. Donc là c'est un coucher de soleil qui va. Ici on va avoir moins de visibilité c'est sûr, mais au moins. On a des bonnes occasions de passer, voilà. Le Stadium d'Allemagne. Puis on va rentrer dans le triple droit. Oh, mon micro se déconne. Et puis ça va être une pole position. Beyond pole position. Yes, thanks guys. The car amazing. The finish the job tomorrow. Poitiers, Hamilton, Verstappen, Vettel. La classe est un petit problème. Il ne reste plus qu'à attendre la course. Rendez-vous demain en direct pour vivre ce Grand Prix en intégralité. Ça va être plus tard. Puis Stroll, 13e, devant son coéquipier Antonio Giovinazzi. Puis Leclerc, pardon. Je regarde. Ça va pas tant bien pour lui chez Ferrari. Ça allait très bien pour lui, mais on va aller voir. On va voir son rythme en course.
Voici les face-à-face contre Lewis. Quand on gagne 23-13 puis contre Gasly 9-4. Un petit point de ressource. Negro. 121 pour un total de 949. Voilà la réputation qui monte. Et puis ça, plus on avait terrain, plus ça vraiment que monter gros pendant les SLM vers fair play. C'est good. Très beau travail. Je compte sur vous pour renouveler l'exploit durant la course. Merci, puis on se retrouve pour la course un peu plus tard. Ciao tout le monde.